Est-ce que du coup je te mets Non, c'est pas la peine. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Je vous propose qu'on démarre notre réunion. Merci de votre présence pour cette réunion publique. Il faut que je regarde la caméra qui est là. Bonjour à tous et à toutes. Une réunion publique qui marque une étape importante dans deux grands projets de la ville d'Orly. Je suis Romain Paris, je travaille pour le cabinet Rouge Vif, qui est un cabinet spécialisé dans la concertation. On accompagne les communes, notamment les aménageurs publics, dans leur démarche de concertation. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer la réunion ce soir. Avant de céder la parole à Madame la maire et d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations sur la façon dont va se dérouler cette réunion. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les réunions sur Teams ou Zoom. Je pense que tout le monde commence à l'être plus ou moins. Je vous donne quelques éléments pour que la réunion se passe le mieux possible. Vous êtes donc connecté avec le lien qui vous a été transmis. Vous êtes sur une interface Teams que vous connaissez peut-être. Il y a un certain nombre de fonctionnalités que vous allez être amené à utiliser ce soir. On est sur une interface assez ouverte. Hein, on est dans un mode réunion. Donc, vous aurez la possibilité de vous exprimer de deux façons, soit à travers le chat, c'est-à-dire vous avez en haut à droite le petit numéro 3 sur l'écran qui vous permet de poser vos questions, faire vos remarques au fur et à mesure de la soirée. On a ici quelqu'un qui est en charge de prendre au fur et à mesure les questions et les remarques et puis de revenir dessus au moment des temps d'échange que nous aurons. Et puis, vous avez également une deuxième possibilité, c'est de prendre la parole de manière orale avec votre micro. Vous le verrez, on a prévu deux temps assez longs d'échange pour chacun des deux projets que nous allons évoquer ce soir, puisque effectivement, c'est une réunion où pour le prix d'une, vous aurez deux sujets, deux projets qui seront présentés. Pendant le cours de la réunion, de la présentation, je vous invite, si vous en êtes d'accord, à bien vouloir couper vos caméras. Vous pourrez les réactiver, bien entendu, au moment de vous exprimer. Et puis, les micros sont coupés d'office. On vous passera la parole
au moment où vous la demanderez. Un peu là aussi, classiquement, vous leverez la main quand vous souhaiterez vous exprimer. Moi, j'aurai la liste des personnes qui souhaitent intervenir. Je vous donnerai la parole au fur et à mesure et on réactivera votre micro à distance pour que vous puissiez le faire. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ça. Ensuite, je vous explique en quelques mots le déroulé de la réunion. Madame Jeannodet, maire d'Orly, va prendre la parole pour introduire la réunion. Également, Monsieur Boily, directeur général adjoint de Val-Office. Ensuite, on aura un temps de présentation un peu général sur le nouveau projet de renouvellement urbain de Orly. Ce sera fait par Monsieur Savonnet, qui est directeur du développement urbain à Orly. Et puis avec Madame Legrand, qui est directrice de l'aménagement urbain à Val-Office. Et ensuite, on aura deux temps. La réunion sera décomposée en deux grands temps, d'une heure environ chacun. Le premier temps sera consacré à la pierre aux prêtres, avec donc une présentation d'une dizaine de minutes du projet de modification de la ZAC. Et puis ensuite, vous aurez le temps du coup, de poser vos questions, de faire vos remarques, et vous aurez toutes les réponses que vous souhaitez. Et puis, à l'issue de ce premier temps, il y a un deuxième temps consacré à la création d'une nouvelle ZAC, la ZAC Aurore, avec une présentation là un petit peu plus longue, parce qu'il y a un petit peu plus de choses à vous dire. Et puis, de la même façon, un temps d'échange, questions-réponses à la suite de ça. Et puis, nous clôturerons la réunion, en principe, vers 20h30, si tout va bien. Voilà. Merci beaucoup encore pour votre présence et je cède tout de suite la parole à Madame Jeannodet. Madame. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse, malgré les circonstances sanitaires qui nous obligent à faire cette concertation en visio. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai dans des réunions publiques qu'on organisera, puisque vous savez que les projets urbains sont des projets au long cours et qui vont nous engager sur au moins une décennie. Donc, il y aura forcément des retours avec les habitants et les résidents de ces quartiers qu'on pourra faire en vrai et en visuel. Donc, par rapport à la ville d'Orly, je voulais simplement rappeler que mon prédécesseur Gaston Viens, il y a maintenant près de 20 ans, a commencé à faire vivre la ville, à la transformer, à apporter son renouveau et notamment au niveau des quartiers. Il a signé en 2005 le premier contrat de renouvellement urbain avec M. Borloo et les objectifs de ce contrat sont les mêmes qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir désenclaver les quartiers, à savoir redonner de la vie dans les quartiers, aménager les espaces publics, créer des équipements publics qui seront de nouvelle génération, réhabiliter les immeubles, j'en passe, et des meilleurs, vous le savez, pour ceux qui habitent Orly, toute la transformation qui a eu lieu dans ce nouveau programme, le renouvellement urbain, qui n'était pas le nouveau, puisque le nouveau nous intéresse aujourd'hui. Donc, le NPNRU, qui, pour ce soir, va nous permettre de poursuivre ce travail de rééquilibrage des quartiers, de permettre donc des parcours résidentiels à nos Orlysiens, de favoriser la mixité sociale de nos quartiers. Et nous le ferons dans de bonnes conditions, puisque nous allons travailler, comme de coutume, de concert avec notre partenaire bailleur préféré, comme je le dis tout le temps, qui est Val-Office, et avec lequel on travaille depuis de nombreuses années. Et donc, on va continuer ce beau projet. Merci, madame. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Boily, directeur général adjoint de Val-Office. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir, Madame la maire. Bien entendu, ravi de faire cette réunion publique avec vous ce soir. Bien entendu, désolé de ne pas pouvoir la faire en public comme on a l'habitude de le faire ensemble. Val-Office est partenaire, comme vous l'avez dit, depuis plus de 15 ans sur les projets de renouvellement urbain d'Orly. On va l'être encore au moins pour les 10 prochaines années, puisque aujourd'hui, on va travailler à la fois sur une modification d'une ZAC qui est,
qui est déjà existante, hein, la pierre aux prêtres, avec des projets encore là intéressants, une modification très importante de votre ville, une amélioration à la fois de la vie dans ses quartiers, dans son fonctionnement, dans son habitat, et bien entendu dans ses équipements. Vous avez raison de dire qu'une ville, c'est aussi des équipements en plus de l'habitat. Et la Zakoror, multisite, avec un partenariat important qu'on n'a pas forcément tous à l'esprit, c'est la suppression de ces lignes à haute tension qui nous permettent aujourd'hui de faire un pas de plus vers la modification importante de cette ville. Donc, bien entendu, Val Office est le partenaire privilégié de la ville. Merci de l'avoir dit, préféré, privilégié. On continuera de l'être à vos côtés encore très longtemps. Bonjour à toutes et à tous. Donc, très rapidement, ce nouveau projet de renouvellement urbain porte sur, comme cela a déjà été un peu dit, sur les quartiers est de la ville d'Orly, hein, comme vous le voyez sur l'image, un secteur pierre aux prêtres, une ZAC existante, et un autre secteur qui regroupe trois sous-quartiers, l'OPOFA, Navigateur et la partie d'aviateur qui n'a pas été concernée par le premier projet de renouvellement urbain. Rappeler, mais ça l'a été dit aussi, que c'est ce projet qui est mené par la ville d'Orly et le groupe Val Office, associé à un certain nombre de partenaires. Val Office et la ville d'Orly sont accompagnés par l'atelier Ruel, qui assure la maîtrise urbaine. L'ANRU prend une partenaire de facto et quatre partenaires tels que vous les voyez. Le PT Grand-Orly Seine-Bièvre, le département, la région et la Banque des territoires, Caisse des dépôts et consignations. Je vais encore une fois très très vite, hein, donc on s'inscrit dans la durée. Ce nouveau projet de renouvellement urbain fait suite à un premier, donc ça a commencé en 2005-2020, il se termine réellement, avant même qu'il soit terminé, un certain nombre d'études ont présidé à ce nouveau projet de renouvellement urbain. Ça a donné lieu à un accord avec l'ANRU et l'État, une signature de convention en juillet donc 2019, et nous sommes maintenant à pied d'œuvre pour réaliser ce nouveau projet de renouvellement urbain. Quelques chiffres clés. Un certain nombre de logements démolis. Aujourd'hui, 543 sur trois sites, hein, secteur Racine, donc Pierre aux Prêtres, les Lopofa et les deux Brazas. Cette démolition se fera évidemment une fois que les locataires seront logés. C'est un processus au long cours qui est déjà bien enclenché depuis 2017. Et aujourd'hui, plus des deux tiers des ménages sont relogés. Pardon. Il en reste donc à peu près 127 aujourd'hui. Deux autres chiffres, des réhabilitations, donc 220 logements réhabilités. Les premières réhabilitations là, vont s'enclencher très très rapidement dès cet été, et 900 nouveaux logements diversifiés vont être construits sur ces 10 années qui viennent, sachant que d'ores et déjà un certain nombre de logements ont été réalisés avec des opérations qui ont été livrées très récemment, une première opération dite j'ai oublié, Françoise Dolto, dans le cadre donc de la reconstitution d'offres, et ce sont des opérations dites préconventionnées qui ont été lancées avant la convention avec l'Europe. Des espaces publics qui sont complètement revisités, 12 rues, des nouveaux cheminements et des espaces verts créés, un peu moins de 2 hectares. Donc il y a des réalisations qui vont se faire sur des espaces verts existants connus, l'espace Buffon qui faisait à peu près 1,3 hectare, qui est réinvesti, mais ce qui n'empêche qu'on reconfigure tout et on arrive à créer près de ces 2 hectares d'espace vert public, j'insiste. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc une liste assez impressionnante d'équipements. C'est ce qui fait la différence avec le premier projet dans l'Urban, même s'il avait porté sur un certain nombre d'équipements, il y a un investissement très très lourd. Donc une liste 4 groupes scolaires, soit neufs, soit démolir construction, soit
réhabilité lourdement, 3 équipements sportifs, un institut médico-éducatif qui va être déplacé, donc qui sera démoli à terme, l'existant, et reconstitué. Le chantier va justement démarrer là, dans les prochaines semaines, à côté de la centre sociale, crèche, halte garderie, médiathèque, comme on peut le voir, des équipements de santé, des équipements qui vont permettre à des jeunes entrepreneurs, donc au cœur du quartier, de pouvoir s'installer au sein de ce qu'on appelle un centre d'affaires de quartier. Donc on va leur offrir des conditions pour lancer leurs entreprises. Un nouveau pôle associatif, la mission locale qui va être déplacée, le chantier est en cours du reste. L'ancien EDS d'Idée Soul, qui était logis provisoirement dans des préfabriqués, qui est relocalisé demain au droit de la station d'être à moi, Christophe Colomb. Et pour finir, une maison des projets qui devrait ouvrir incessamment sous peu, c'est-à-dire au deuxième semestre 2021, qui sera l'occasion pour tout un chacun de prendre connaissance dans le détail des différents projets qui vont se réaliser dans les années qui viennent. Bonjour à toutes et tous. Donc, une zone d'aménagement concertée, une ZAC, en fait, c'est un outil d'aménagement qui est défini par le Code de l'urbanisme. C'est un outil qui permet de mettre un projet urbain en œuvre à moyen et long terme, et surtout éventuellement d'en suivre l'évolution, si ça s'avère nécessaire. C'est une procédure qui donne une large part à la concertation. Donc, nous avons déjà aujourd'hui cette concertation réglementaire, mais qui sera suivie de concertations plus opérationnelles tout au long de la vie du projet. Enfin, c'est une procédure qui permet d'associer différents partenaires, dont les habitants, et puis les porteurs de projets qui ont pu être la commune et l'EPT. Voilà, sur les deux opérations qu'on vous présente sur la pierre aux prêtres, on a eu l'occasion de vous dire que c'était une ZAC ancienne puisqu'elle a été créée en 2006 et aujourd'hui on est obligé de modifier puisqu'il y a une modification assez considérable de la programmation par l'intégration du secteur racine. Et puis sur aviateur, navigateur, l'OPOFA, qui sont 3 secteurs opérationnels qui sont regroupés dans une ZAC qu'on appelle la ZAC Aurore, l'objectif est de la créer dans les prochains mois qui viennent après cette concertation. Là, on vous a pris une carte donc, pour montrer de façon plus précise donc, les 3 secteurs de la future ZAC Aurore, donc les aviateurs, qui s'étend aussi de l'autre côté de l'avenue Marcel Cachin avec le parc de l'Oiseau, la partie navigateur avec la partie navigateur nord et la partie navigateur sud, et puis le quartier Anotera l'OPOFA. À ce jour, c'est un secteur, ce qu'on appelle un secteur d'études. Donc, c'est pour ça que nous avons intégré, nous sommes allés assez loin jusqu'à l'avenue des Martyrs de Châteaubriant en intégrant la copropriété Anotera. Mais le secteur opérationnel de la création sera sans doute revu et un peu réduit suite aux études préalables qu'on est en train de mener. En revanche, pour la pierre aux prêtres, le périmètre de création a été fait donc lors de la création, il est inchangé. On va simplement modifier de façon considérable la programmation. Merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner sur la présentation du projet de la pierre aux prêtres et plutôt de la modification de la ZAC. Je le redis, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, au cours de la présentation, à utiliser le petit icône en haut à droite avec la petite bulle qui vous permet de poser des questions ou faire vos remarques dans le fil de discussion. Madame Legrand, je vous redonne la parole. Alors, je reprends la parole. Donc, sur la pierre aux prêtres, donc, on va voir apparaître l'image. Donc, comme on l'a indiqué, le périmètre était connu. Et donc, on se focalise en fait sur le secteur racine qui est le long de l'avenue des Martyrs de Châteaubriant. L'ensemble du quartier avait été effectivement revu dans le cadre de l'ANRU 1. Et l'objectif est de finaliser la rénovation du quartier avec tout ce secteur racine. Donc, ce quartier, donc, effectivement, depuis 2006, ce qu'on voit, les petites taches oranges, ce sont tous les projets qui ont été réalisés depuis 2006. Donc, globalement, il y a eu plus de 200 logements qui ont été réalisés dans ce secteur. En particulier, les deux derniers secteurs où vous avez des flèches, qui est le domaine de Grignon, du côté de l'avenue des Victoires, et puis la résidence Simone de Beauvoir, du côté de l'avenue des Martyrs de Châteaubriant. Donc Simone de Beauvoir, c'est un programme locatif social qui a été livré en 2020.
avec 57 logements et des locaux actifs en rez-de-chaussée qui nous ont permis à ce jour de relocaliser la banque, la maison de santé, et, enfin, qui est nouveau, et le cordonnier, commerce, qui sont situés en pied d'immeuble des bâtiments racines. Ensuite, autre opération qui a été livrée récemment en 2019, c'est le domaine de Grignon, qui est une opération en accession du côté avenue des Victoires. Enfin, c'est plutôt, rue Noyer-Grenon. Et donc, il a été livré en 2019 et un programme en accession, avec une adaptation à l'environnement plutôt pavillonnaire du secteur. Donc, il y avait une volonté de faire quand même des bâtiments pas trop hauts. Merci beaucoup. Je donne tout de suite la parole à Madame Véronique Navet, qui est architecte urbaniste de la Tuilerie Ruelle et qui est architecte urbaniste de cette opération. Et je lui cède également la. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de détailler le projet urbain. Donc, comme ça a été dit, le projet de la pierre aux prêtres, c'est vraiment la continuité d'un projet ancien, puisqu'il y avait eu des transformations qui avaient déjà été importantes dans le cadre du premier projet. La création du square Alfred de Musset, tout un travail sur les rues, sur la résidentialisation, nouveaux équipements avec notamment l'équipement chez Did, et aussi un travail d'ouverture sur l'avenue des Martyrs de Châteaubriant. Là, le projet, il va plus loin avec cette idée de transformer l'image du quartier en façade de l'avenue des Martyrs de Châteaubriant, puisque c'est une manière aussi de l'inscrire, on va dire, plus largement, d'inscrire la requalification plus largement dans la ville. Donc, l'offre de logement s'en trouve modifiée et transformée avec une diversification plus importante. Donc, on part de deux démolitions, des démolitions d'activités commerciales, ça a déjà été évoqué, la démolition de 63 logements et de leurs rez-de-chaussée commerciaux, ce qui permet cette transformation. Alors, je vais essayer de défiler. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on s'inscrit dans la continuité aussi de l'histoire du projet d'Orly. C'est de travailler aussi fortement sur le paysage, puisque le principe de cette ouverture, c'est de prolonger par une allée paysagée le square Musset jusqu'à l'avenue des Martyrs, ce qui permet de lui donner une visibilité sur cette avenue. L'idée était de poursuivre aussi vers la rue Marie Curie, le pôle Joliot-Curie, et puis les écoles et le nouveau parc de l'Oiseau. Là, c'est un travail sur les cheminements doux et conforter ces cheminements doux, les rendre plus agréables. La reprise de la façade sur l'avenue de Martyrs de Châteaubriant, avec ses beaux alignements d'arbres, des trottoirs plus confortables, et un travail de composition urbaine où on vient construire plutôt des bâtiments, une succession de bâtiments. On n'a pas un front bâti continu sur la rue, de façon à laisser voir des cœurs d'îlots très paysagers. Voilà, donc on voit ici ce travail de composition générale, avec, comme cela a déjà été évoqué, un travail sur l'aménagement des voies, des interventions sur les réseaux, puisqu'il y a toute une requalification qui s'accompagne aussi de la rue et des services liés au réseau. Le projet, c'est un projet de construction neuve, diversifiée, comme cela a été évoqué, puisqu'on a un projet d'habitat participatif sur la rue Pierre-Corneille et une diversité d'offres de logements entre du collectif et des logements type maison de ville, habitat intermédiaire sur la rue Racine et les rues Molière. Donc, ce sont 230 logements, 41 en locatif, 190 en accession, avec des variations de hauteur. Ce sont 6 opérations différentes. Donc, ce sont aussi des architectures à chaque fois différentes. Ça, c'est important de le souligner, puisque l'idée aussi de la diversification, c'était diversification d'une offre de logement, mais aussi diversification des architectures et d'avoir un habitat moins homogène, peut-être, que ce dont on hérite dans les quartiers d'Orly.
Donc le calendrier prévisionnel en fait de cette modification de la ZAC Pierre-Aupretre, là on est en train de faire la concertation, je dirais réglementaire auprès des habitants et des riverains. Au deuxième semestre 2021, on pourra faire le bilan de la concertation et valider les études en cours techniques que nous pouvons mener pour valider le dossier de création et le dossier de réalisation de la ZAC. Les premières phases de démolition après libération et relogement des derniers logements habités peuvent se faire courant 2022, ce qui permet d'envisager une construction de logements neufs dans cette période 2022-2024. Il y aura une deuxième période qui concernera la démolition de la deuxième phase de démolition, qui est le 2-10 rue Jean Racine. Et pendant cette période, on pourra donc procéder aussi à la deuxième phase de construction entre 2023 et 2026. Et bien évidemment, les aménagements des espaces publics accompagneront les constructions de logements neufs, avec sans doute des phases provisoires et des phases définitives au moment de la livraison. Merci, merci beaucoup. Alors, je vous donne maintenant quelques informations. Alors, on a bien sûr cette réunion de ce soir qui vous permet de vous exprimer et de poser à la fois vos questions et de donner votre avis. La concertation, elle va en fait durer un mois, jusqu'au 4 juin prochain. Vous avez plusieurs façons de participer. Un mail dont vous voyez l'adresse affichée à l'écran, concertation-zacpap@groupevaloffice.fr. Par ce biais, vous pouvez formuler toutes les remarques que vous souhaitez ou poser vos questions directement auprès de la maîtrise d'ouvrage. Vous avez également la possibilité de vous rendre au centre administratif municipal d'Orly pour apporter votre contribution dans un registre. Et puis, plusieurs lieux pour découvrir le projet et en prendre connaissance de manière plus précise. Vous les voyez à l'écran. Le hall d'accueil du centre administratif, le square Alfred de Musset, la mini-crèche Foucault, l'école Marcel Cachin et le complexe sportif Mermoz. Voilà. Je crois qu'on a parfaitement ou presque respecté le temps qu'on s'était donné. On va maintenant du coup pouvoir vous passer la parole. Alors, il y a un certain nombre de questions et de commentaires qui sont déjà été formulés dans le cadre du chat. Ce que je vous propose, c'est on peut repartir évidemment de ces remarques-là. Pour l'instant, je vois personne qui a levé la main. N'hésitez pas, hein, je vous le redis, vous avez la réunion est faite pour vous permettre de vous exprimer et de poser vos questions. Ce que je peux faire en premier lieu, c'est de demander aux personnes qui ont déjà mis quelques questions sur le chat si elles veulent bien s'exprimer. Je vois par exemple monsieur ou madame, je ne sais pas, Vince, qui pose une question concernant le nombre de mètres carrés de bureaux. Alors là, je crois qu'il n'y en a pas sur cette opération-là, c'est peut-être plutôt sur la Zacora. Non plus. Pas de mètres carrés de bureaux prévus ni dans l'une ni dans l'autre. Monsieur Atem Abidi, est-ce que vous souhaitez… en plus, vous avez levé la main, donc je vous propose de prendre la parole. Bonsoir. Je m'appelle Atem. Alors, je parle là de la rue Marie-Curie. J'ai entendu parler là d'un cheminement doux à partir de ce projet-là vers la rue Marie-Curie. Alors, la sécurité est une question majeure sur la rue Marie-Curie. Donc, est-ce que vous pouvez apporter plus d'explications à ce niveau? Je sais qu'on a évoqué ce point lors de du dernier conseil du quartier Est avec le maire adjoint, M. Gérard. Donc, je sais qu'il y a quelque chose au niveau technique et au niveau de la mairie, mais je ne sais pas si on a amélioré quelque chose à ce niveau, la sécurité sur la rue Marie-Curie. Merci. Merci, merci monsieur. Je vous propose qu'on prenne quelques questions. On avait également monsieur Mila Matteo
Matteo Milac, vous avez posé une question sur le programme de logements, le nombre de logements démolis par rapport au nombre de logements construits. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur ce point? Oui, je veux bien, mais en fait, je suis sur le team de mon fils, donc en fait, je ne suis pas Mathéo. Bref, oui, moi, c'était le chiffre qui, je ne sais pas, je l'ai vu passer parce que vous avez été très, très vite, donc c'était un peu compliqué. J'ai vu passer le chiffre, vous alliez détruire rue Jean Racine, enfin, dans la Pierre aux Prêtres, 63 logements. Et ensuite, vous mettez que vous allez en reconstruire 230. C'est ça? Oui, c'est ça. On reviendra, on pourra revenir. Qu'est-ce qu'il est prévu pour les écoles? Parce que je suppose que dans ces logements, il va y avoir des enfants. Est-ce que l'école Romain Rolland va être agrandie? Et où elle va être agrandie? L'école Noyer-Grenot, bon, je sais qu'il y a des travaux sur cette école. Mais comment ça va se passer par rapport à la jeunesse et par rapport aux enfants? Parce que 1,9 hectares de parc, en comptant déjà le parc de l'oiseau pylône, les enfants vont jouer où? Qu'est-ce qu'il va y avoir de prévu? Moi, c'est le chiffre qui me fait réagir, quoi, parce que déjà 63 logements, c'est beaucoup sur cette petite zone, mais alors 230, c'est énorme. Voilà. Merci. Madame la maire, vous voulez répondre tout de suite? Bah, je vais essayer de répondre aux deux premières questions. La première question de Monsieur Hatem concernant la sécurité, la rue Marie Curie, effectivement, c'est une préoccupation qui est souvent abordée. Donc c'est en dehors de la zone puisque c'est sur le quartier des Tilleuls, mais qui est aussi traversante. On réfléchit avec Alain Girard et les services à comment sécuriser cette voie qui est assez étroite, sinueuse et là où les véhicules roulent très vite. La première réaction, c'est de dire qu'il faut des ralentisseurs, mais souvent les ralentisseurs font aussi du bruit et donc les riverains à côté ne sont pas très contents lorsqu'il y a des voitures qui passent assez rapidement dessus. C'est en étude et ça sera vraiment traité au niveau du conseil de quartier, mais c'est effectivement une voirie qui doit être apaisée. Et donc, on va y travailler également avec les services techniques, d'autant que lorsqu'il y aura donc sur le front urbain de l'avenue des Martyrs de Châteaubriand plusieurs habitations et logements, tels que vient de le dire la dame qui vient s'exprimer derrière. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a 63 logements sur une galette de béton avec des parkings, Madame Pongy, pour Val-Office, mais des parkings qui ne sont pas dans une grande qualité urbaine. Et l'objectif de cette production de logements, c'est de travailler sur la mixité et l'offre de logements différenciés. Donc, on aura à l'intérieur de chaque îlot, et vous le voyez là sur les petits plots orange avec un orangé différent, bien évidemment, des cours intérieurs qui permettront aux riverains d'avoir de l'espace de qualité. Sur les écoles, bien évidemment, les effectifs scolaires sont identifiés en lien avec le service de la ville et la DDU qui suit les évolutions de tous les programmes pour avoir les écoles qui puissent accueillir les enfants dans l'avenir avec une progression de la courbe de natalité et les montées pédagogiques, bien évidemment. Donc, il est prévu un nouveau centre scolaire qui va regrouper donc maternelle, élémentaire, à côté de l'IME sur la partie Calmette, et donc une recomposition de la carte scolaire. Donc, n'ayez crainte, tous les enfants auront une classe et seront accueillis dans de bonnes conditions. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on a deux autres questions qui ont été posées. La première est en relation avec les enfants et la jeunesse. Madame Magali Trarieux, est-ce que vous souhaitez vous exprimer pour poser votre question? Oui, bonsoir. Rapidement, ma question est sur les installations qui sont proposées.
dans ces projets pour les jeunes et la jeunesse, enfin les enfants et la jeunesse en général, en termes notamment d'installations sportives, installations culturelles. Donc, Madame la maire vient de parler justement de nouveaux groupes scolaires, donc d'une population d'enfants et d'adolescents qui devraient croître, augmenter encore. Donc voilà, compte tenu de l'offre actuelle et en prévision de l'avenir et en observant également, on va dire, la situation dans les quartiers de besoins évidents d'activités proposées aux jeunes et aux enfants pendant les week-ends, en dehors des associations évidemment. Quelles sont les installations ? Justement, vous parliez d'une liste, d'une grande liste d'installations. Quelles sont celles qui sont prévues ? Je pense par exemple, quand je pense, donc je suis enseignante, moi, mes élèves parlent souvent de la piste d'athlétisme, d'un stade pour aller faire voilà, ce genre de sport par exemple, ou voilà, je pense que vous avez des propositions et je vous remercie. Oui, je reprends la parole, excusez-moi. Par rapport donc à vos questions, Madame Trarieux, c'est effectivement les équipements scolaires. En tant qu'enseignante, vous savez qu'on les a calibrés en fonction de la population qui va arriver sur ces quartiers. Concernant les équipements sportifs, donc il y a le stade, le gymnase Romain Rolland à côté. Dans le cas du NPNRU, il y a l'agrandissement et la requalification du gymnase d'Esnos, hein, qui est pas très loin non plus. Et nous avons donc à proximité le centre social qui va accueillir donc en binôme avec le centre social André Chédid, un centre social en proximité de l'IME et d'un centre pour les seniors, parce qu'on parle de la jeunesse, mais il y a aussi les seniors, avec la relocalisation du restaurant Neruda, avec toutes les activités qu'il y aura donc sur ce centre intergénérationnel. Bien que calibré pour les jeunes et pour les seniors et pour les familles, il y aura des lieux où les populations pourront se croiser en intergénération. Donc voilà, il n'y a pas très loin le parc de l'Oiseau, tel que vous l'avez dit. Et on réfléchit également à une piste d'athlétisme qui n'aura peut-être pas le gabarit d'une piste d'athlétisme, j'allais dire, homologuée, mais qu'on réfléchit pour faire à côté du manège du centre équestre qui a été agrandi sur la pelouse à côté des boulistes des Saules. Voilà. On a pour l'instant trois autres questions. Madame Dembélé, vous avez levé la main. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? J'imagine que oui, si vous avez levé la main. Là, votre micro est coupé. Voilà, il est réactivé. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Une question relativement simple. Je suis nouvelle dans la commune d'Orly. J'ai été surprise récemment. Donc, j'étais victime d'un incident et j'ai dû solliciter les services de police. Donc, à ce moment-là, j'ai passé pas mal de coups de fil sur le numéro que je trouvais sur Internet au niveau du commissariat d'Orly. À ce moment-là, j'ai appris donc forcément qu'il n'y avait pas de commissariat et qu'on était dépendant de la commune de Choisy-le-Roi. Donc ma question serait la suivante, de par l'accroissement du nombre d'habitants de la commune d'Orly, est-ce que vous avez prévu de mettre en place peut-être une police de proximité avec un peu plus d'agents ou éventuellement de rouvrir un commissariat ? Voilà, merci. Je reprends la parole. Non, il n'est pas prévu d'avoir une extension d'un commissariat. Malheureusement, si vous avez visité le centre administratif de la ville d'Orly, vous avez dû vous apercevoir qu'au rez-de-chaussée, il y avait un équipement qui avait été prévu pour accueillir une annexe du commissariat de Choisy-le-Roi. La ville d'Orly a toujours dépendu du commissariat de Choisy-le-Roi, telles que les villes qui sont maintenant rattachées à la circonscription, que la circonscription regroupe quatre villes, Ablon, Villeneuve-le-Roi, Choisy et Orly. Aujourd'hui, la réflexion sur une police municipale n'est pas taboue dans la tête de la municipalité et dans la mienne. Le sujet, c'est on va développer donc le service des ASVP et le service de vidéoprotection. On sort un peu de la ZAC, mais j'en profite pour donner ces informations quand même. Donc, le sujet n'est pas tabou. Le sujet est économique.
parce que pour avoir une police municipale, il faut qu'il y ait un certain nombre d'effectifs avec des moyens de déplacement importants. Et donc, dès qu'on pourra le mettre en œuvre, on le mettra en œuvre. Voilà, mais ce n'est pas dans l'année qui suit, mais c'est prévu sur le mandat. Merci. Alors, on a ensuite une question alors, qui n'a rien à voir, qui concerne la collecte des déchets. Et M. Godby qui demande s'il est prévu de mettre des tribornes de collecte de déchets sur les nouvelles habitations. C'est très une question technique, mais importante. Et peut-être une deuxième question. Une autre question sur les déchets. Avez-vous prévu des solutions de collecte de déchets ménagers? Ah ben, c'est la même question, triborne, du côté de la résidence Anotera, et c'est monsieur ou madame Trouki qui pose cette question. Si vous le voulez bien, sur un point de vue très technique, je vais passer la parole à monsieur Savonnet ou à Amandine Rio, qui est la responsable du développement urbain. À l'un des deux, ils ont les réponses à ces questions. Moi, je les ai aussi, mais ils sont beaucoup plus pointus que moi. Oui, si je me trompe, Amandine Norio me corrigera, elle est juste à côté de moi. Non, on est parti pour maintenir le système des tribornes là où il existe, mais sur les nouvelles opérations qui vont se réaliser dans le cadre de la ZAC, je parle plus particulièrement de la ZAC Aurore, donc celle que nous allons évoquer là dans le temps suivant, nous sommes sur un système classique, je dirais, d'enlèvement des ordures ménagères. Nous ne sommes plus du tout sur un système dit de triborne. Alors peut-être pour expliquer cette décision, c'est que la mise en triborne dans le cadre de l'ANRU 1 avait une comment dire, l'ANRU participait largement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, la ville est rattachée à un établissement public territorial, le GOBS, et avec 24 villes, et nous sommes obligés de rendre un peu homogène le traitement et la collecte des ordures ménagères et la résidentialisation de tous les îlots rend très compliqué. Le positionnement des tribornes. L'idéal, c'est que les tribornes soient à l'intérieur de la résidentialisation pour ne pas être sur la voie publique et avoir de façon très régulière des dépôts sauvages autour de ces tribornes. Mais pour la collecte et pour les bras, pour aller chercher donc les conteneurs, c'est compliqué. Donc voilà, la première raison, c'est qu'on n'est plus financé pour ça et que ça coûte très très cher. Et la deuxième raison, au niveau de l'EPT, c'est pas dans l'ère du temps. Et la troisième, en positionnant donc les tribornes chez les copropriétaires ou les bailleurs, ça pose également des problèmes pour aller récupérer par le bras. Donc avoir les tribornes sur la voie publique génère environ 3 tonnes par jour sont enlevées sur la voirie d'Orly. Alors, pas qu'autour des tribornes, mais largement autour des tribornes. Donc, voilà, c'est toutes ces raisons qui font que ça sera des conteneurs qui seront sortis et rentrés par les gardiens de Val-Office et des copropriétés du quartier. Merci. On a ensuite deux questions qui sont relatives à l'économie et à l'emploi. Alors, peut-être, monsieur ou madame Vince, si vous souhaitez poser votre question concernant l'activité économique. Sinon, je la pose. Alors, la question était, ne pensez-vous pas que ce serait intéressant de faire venir de l'activité économique comme un call center ou un appart-hôtel qui pourrait embaucher nos jeunes? Et puis, sur un sujet proche, Monsieur Oumar Ouane, je ne sais pas si Monsieur Ouane, vous voulez poser votre question de vive voix. Sinon, je la pose également. Elle concerne la question des commerces. Est-ce qu'il y aura autant de commerces que précédemment? Alors, sur la Pierre Auprette, aujourd'hui, ont été relocalisés les commerces qui le souhaitent.
La boucherie Gillard n'a pas souhaité, pour des raisons qui lui appartiennent, de ne pas être localisée à l'angle de la rue des Martyrs de Chateaubriand dans Simone de Beauvoir, enfin dans l'immeuble Simone de Beauvoir. L'activité sportive, comment que c'est la salle de sport. Pour le moment, est en négociation avec le bailleur Val-Office pour trouver une relocalisation, mais qui ne sera pas sur cet espace-là. Au niveau des autres, les autres commerces actuels, c'est à peu près tout. Il y a l'auto-école qui ne voulait pas, qui reveut. C'est un peu compliqué, donc pareil, travaille avec son bailleur Val-Office pour trouver une solution. Sur cet endroit-là, il n'y aura pas plus d'activités et peut-être il y aura des cellules commerciales le long de l'avenue des Martyrs de Chateaubriand. Mais pour aujourd'hui, on n'a pas de prospects à vous proposer. Mais bien évidemment, tout commerçant qui pourra s'installer aura la possibilité parce qu'il y aura des rez-de-chaussée à vocation commerciale. Mais on ne peut pas encore identifier quel type de commerce ou d'activité ou d'activités paramédicales, etc. Concernant les jeunes, ce n'est pas exactement sur cette partie-là, mais sur les jeunes entrepreneurs, il y a la maison de aide-moi, Amandine, le centre d'affaires, qui a pour fonction justement de mettre le pied à l'étrier de jeunes entrepreneurs, et ce n'est pas très loin de ce quartier-là. C'est à la gare des Saules, à côté du T9. On vous expliquera tout à l'heure dans la ZAC Aurore où se trouvera exactement ce centre d'affaires. Merci. Alors, je vous prie de nous excuser. Effectivement, Monsieur Wanet a fait remarquer que son micro était désactivé. On a la liste des participants. Il faut qu'on vous retrouve pour pouvoir réactiver votre micro. Monsieur Wanet, vous voulez compléter votre question Madame la maire a bien répondu. Oui, elle a bien répondu. J'ai juste noté qu'en gros, il n'y aura pas d'effort pour faire revenir les commerces qui étaient là précédemment. Je pense notamment à un petit commerce type Aldi ou des trucs comme ça, ou Franprix. Enfin, si potentiellement les locaux seront prévus ou pas. Donc, d'après ce que j'ai compris, bon, les locaux ne seront pas prévus. C'est plus à usage d'habitation que du commerce, quoi. Alors, je reprends mon micro parce que vous avez dû avoir coupé aussi le son. Ce que je disais, c'est que sur la partie, tout le long du front urbain qu'on a sur l'avenue des Martyrs de Chateaubriand, il y a des logements, mais il y a également des rez-de-chaussée qui peuvent être aussi des cellules commerciales. Aujourd'hui, on n'a pas la lisibilité de ce que ça pourra être, mais rien ne nous interdit. Une concertation, c'est aussi d'échanger, de voir ce qui est possible et de faire évoluer ces projets qui sont aujourd'hui des projets qui ne sont pas gravés dans le marbre et qu'on peut moduler. Et en lien avec l'aménageur, il est toujours possible de faire effectivement vivre ces quartiers par des aménagements d'activités. D'avoir une supérette à cet endroit-là, type Aldi, je ne pense pas que ça soit vraiment pertinent. On est quand même à 500 mètres à peine à pied du centre Leclerc. Et de l'autre côté, c'est du côté à la limite de Choisy, c'est un Leader Price, je pense, de mémoire. Il faut aussi que les commerces vivent au travers la zone de chalandise. Mais d'autres activités, pourquoi pas? Merci. Alors, on a peut-être une dernière question, à moins que d'autres questions arrivent. Peut-être pour Madame Navet, qui concerne, et puis évidemment pour la ville, hein, bien sûr, qui concerne la hauteur des bâtiments, il y a peut-être un besoin de repréciser un peu les choses. Je retrouve la question. GDV, ah oui, donc on a seulement vos initiales. Vous parlez d'un déséquilibre important sur la hauteur des bâtiments et vous vous demandez pourquoi atteindre R+5. Est-ce que vous souhaitez compléter un peu votre question et l'exprimer de manière plus détaillée? On active votre micro. Ça y est.
Elle est coupée, là. Ah, vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez. Sinon... On vous répond. Alors, sur le plan qui est affiché, là, vous avez la hauteur des différents bâtiments, Madame Navet. Alors, effectivement, le projet prévoit d'alterner, on va dire, des constructions entre des constructions R+1 et des constructions R+5. Alors, si j'arrive à récupérer la souris... qui s'est perdu. Voilà. Voilà. Donc, ce que vous voyez en plus clair, ce sont les bâtiments les plus bas, R+1, R+2, sur la rue Racine, R+3, R+4, en range plus claire. Donc, jamais une hauteur unique, toujours un jeu de variation de hauteur, même là où on a ponctuellement du R+5. Donc les bâtiments les plus hauts sont ponctuellement sur l'avenue du Martyr de Châteaubriant. Alors ça correspond à des hauteurs qui existent déjà, hein, puisque les nouvelles opérations un peu plus au sud sont déjà dans ces hauteurs-là. Juste en face, on a des bâtiments R+5. R+4. On a une avenue qui est très large et rien n'empêche après, dans le travail avec les architectes, de moduler ces hauteurs pour aussi avoir des effets de retrait, peut-être comme une des opérations qui est un peu plus au sud, récente. On voit qu'il y a des effets d'attique avec des reculs qui atténuent le R+5. Voilà, donc on s'inscrit vraiment... dans la continuité, on va dire, de la diversité des formes et des hauteurs et des architectures déjà préexistantes sur Orly et puis sur les projets récents. Alors là encore, on n'a pas réussi à vous connecter, vous n'avez pas réussi à activer votre micro, monsieur ou madame GDV. Je suis désolé, est-ce que vous voulez réessayer ? On a eu d'autres questions, mais je pense auxquelles vous avez déjà répondu sur le commerce. On a eu d'autres questions sur l'attractivité commerciale du quartier. Donc, je ne sais pas si c'est la peine d'y revenir. Non. GDV, tu arrives à... Votre micro était activé, mais bon, si vous ne souhaitez pas, c'est que Madame Navet vous a répondu. Il est 19h22, alors on a encore formellement 5-6 minutes pour parler de la ZAC Pierre-Auprêtre, mais s'il n'y a plus d'autres questions et d'autres prises de parole, je vous propose qu'on passe peut-être à la création de la ZAC Aurore. Je laisse encore quelques secondes aux personnes qui souhaitent lever la main, mais je ne vois personne. Alors, Monsieur Pajot. Monsieur Pajot, est-ce que vous voulez vous exprimer ? Oui, bonjour. Oui, effectivement, j'avais une petite question là par rapport. On parle d'un programme d'habitat participatif. Bah, déjà, en quoi ça consiste et puis pourquoi, à la place d'un emplacement vert ? Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans des périodes où les espaces verts sont quand même bienvenus, au-delà des périodes de confinement qui ne sont pas nécessairement finies et qui seraient peut-être amenées à perdurer dans le temps, plus lors de fortes chaleurs ou autres, hein, c'est quand même toujours agréable. Voilà, merci. Monsieur Savenet, vous répondez. Oui. Principe de l'habitat participatif, ce sont des habitants potentiels de demain, donc, qui se regroupent et qui, avec un promoteur, là en l'occurrence, il s'agit d'un opérateur qui s'appelle Logipostel, une société coopérative, réfléchissent ensemble à un projet
et ce projet se réalise. Donc là, c'est un projet qui émerge. Donc il y a un groupe d'habitants qui est aujourd'hui constitué, le logis postel existe. Il y a une réflexion préalable sur l'implantation de ce bâtiment, son gabarit. Donc on est sur un petit bâtiment en R+2, des logements individualisés, mais avec des parties communes importantes. L'idée aussi, c'est que, puisqu'on est sur un habitat participatif, c'est que le groupe d'habitants partage un certain nombre de choses et qu'on sorte un petit peu de la production ordinaire du logement avec des parties communes un peu plus conséquente, des espaces vraiment communs. Voilà. Voilà, en deux mots. Alors c'est une opération qui, excusez-moi le jargon, qui va se monter en BRS. C'est-à-dire que le bâtiment va être dissocié du foncier. Donc c'est un opérateur qui va porter le foncier pour permettre aux habitants aussi d'acheter leur logement dans des conditions économiques plus favorables. Donc on est sur un prix de logement, parce que c'est du logement d'accession, qui sera plus faible que le marché ne le propose. Alors la question de l'espace vert, oui, effectivement, ça se réalise sur un espace vert existant aujourd'hui, qui est la propriété de Valofis. Il y a un petit parking qui s'est réalisé juste à côté, qui permet de faire fonctionner le pôle commercial, hein, qui est situé en rez-de-chaussée, en particulier de la nouvelle opération réalisée par Valofis. Cette destruction, entre guillemets, d'espace vert est compensée par la réalisation d'autres espaces verts, publics ou privés. Donc on est plutôt globalement sur un bilan positif, du reste, dans le cadre de la modification de la ZAC. L'idée aussi, c'est de reconstituer un front urbain et d'assurer une continuité entre le lycée et l'angle de rue Martial-Châteaubriand avec la pharmacie aujourd'hui. Donc c'est un véritable parti pris urbain qui a été choisi aussi. Merci beaucoup. Alors, il y a une question, je vous propose peut-être qu'on la garde pour tout à l'heure, parce que finalement, c'est une question qui peut être mise en perspective un peu globalement. C'est Hector qui pose cette question sur la mixité sociale et le renouvellement entre guillemets, de la population. C'est moi qui rajoute les guillemets. Comme ça s'inscrit dans une démarche plus large avec un projet plus important, je vous propose qu'on le garde pour tout à l'heure. On l'a bien noté. Et on peut donc tout de suite passer, si ça vous convient, à la présentation de la création de la ZAC, Aurore. Et le temps que je reprenne la main avec ma... sans trop me tromper, hop, voilà, je reviens sur la présentation. Voilà. Je reprends donc juste, en fait, on vous a remis une carte qui vous indique encore une fois les différents secteurs de cette ZAC qu'on appelle une ZAC multisite. Donc vous avez la partie à droite qui est la partie navigateur, à gauche qui est la partie Lopofa et encore une fois qui inclut en phase étude toute la copropriété Anotera qui va même un peu plus loin jusqu'à l'avenue des Martyrs de Châteaubriand. Et puis vous avez plus au sud la partie aviateur avec un débord sur le parc de l'Oiseau. Comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure, c'est un périmètre d'étude et le périmètre de création. On le définira lorsqu'on finalisera le dossier de création, mais il sera sans doute plus petit en particulier. Je ne pense pas qu'il le prendra toute la partie Anotera jusqu'à l'avenir des Martyrs de Châteaubriand. Je pense qu'on restera sur des périmètres plus petits. Alors, je vais poursuivre dans la présentation détaillée du projet de la ZAC Aurore. Je vais essayer de faire plus lentement parce que j'ai compris que j'avais été un peu vite tout à l'heure. Donc, je vais essayer de faire plus tranquillement. Alors, ce projet en détail, il s'appuie sur le renouvellement de l'habitat dans la continuité de tous les projets précédents et du projet de la ZAC de la Pierre aux Prêtres. Donc, on part déjà de la démolition d'un certain nombre de logements, alors que ces démolitions, elles sont actées déjà depuis assez longtemps. Ça fait l'objet de multiples études avant
celle même qu'on vous montre. La démolition du secteur des Lopofa, la démolition aussi de deux bâtiments sur le secteur des navigateurs nord. C'est ce qui est représenté ici en rouge, qui sont les bâtiments Brasa. Donc, on a au total 480 logements démolis. Alors, la transformation, elle est liée aussi à un certain nombre aussi d'autres éléments qui nous permettent d'engager cette transformation. Cela a déjà été dit, c'est l'importance qu'a eu l'enfouissement des lignes à haute tension, hein, qui gelait tout un site au nord des Lopofa, qui passait au-dessus du bâtiment La Pérouse. C'est aussi la démolition parfois de certains équipements. Alors, je pense à l'IME qui va être reconstruit, qui libère aussi d'assez grands terrains. Donc ça, ça ouvre de nouvelles perspectives, mais des perspectives qui sont aussi associées à la réhabilitation de 220 logements qui sont déjà engagés. C'est ce qui est représenté en jaune. Voilà, avec des interventions qui sont en cours d'étude. Et puis, on a aussi une petite démolition, j'ai oublié de le préciser, d'une trame sur le bâtiment La Pérouse qui permet de rompre un peu avec ce très long bâtiment pour ouvrir le cœur de l'îlot et de la parcelle, et donc de rejoindre plus aisément la station de tram aussi par ce cœur d'îlot. Alors, on l'a déjà évoqué quand je parlais du square Alfred de Musset, qu'on voulait aussi rattacher par les promenades au quartier Calmette et du coup au parc de l'Oiseau. On a pas mal travaillé sur tous les cheminements doux dans le cadre de ce projet et en lien avec une trame verte. Alors, la trame verte, elle est importante puisque c'est déjà ce dont on hérite, hein. Rappelle quand même qu'on a déjà à la base des très beaux parcs à Orly, puisqu'on a le parc des Saules, le parc Mermoz, le parc de l'Oiseau qui vient d'être complètement réhabilité. Et l'idée, c'est vraiment d'étirer cette trame de parc avec notamment un prolongement du parc Mermoz qui va venir vraiment prendre en doigt de gant le stade Mermoz et se retourner pour faire un lien vers ce qui était anciennement l'espace Buffon et se prolonger sur Choisy par la trame verte de la ZAC des Hautes-Bornes. De la même manière, les doigts de gant vient rejoindre le quartier Calmette, le nord du quartier Calmette, avec le gymnase d'Estreuze et le pourtour de ce gymnase. Pour ça, on s'appuie aussi sur un patrimoine arboré, mais un patrimoine arboré sur lequel on aimerait bien, on va dire, écrire une nouvelle histoire, puisque le projet se base aussi sur la création d'un arboretum, donc de diversifier l'offre d'arbres et la qualité des grands arbres demain, puisqu'il y a toute une histoire de ces beaux arbres à Orly. Donc, on poursuit. On poursuit aussi avec des espaces paysagers ou de jardins qui vont se diffuser jusqu'au cœur des îlots résidentiels. Et dans tous les programmes de logement, il y a des jardins résidentiels et des jardins intérieurs. L'idée aussi est que ce projet de trame verte, il s'appuie aussi sur un projet de trame bleue. On a un gros travail qui reste à mener sur une meilleure gestion des eaux pluviales, ce qui peut nous amener à une forme de biodiversité aussi un petit peu nouvelle. Et on va aussi, dans toutes ces années à venir du projet, penser le projet en lien avec des démarches de participation, comme ça a été fait sur le parc de l'Oiseau, comme ça a été fait sur le parc Mermoz. C'est créer des groupes de travail qui pensent aussi le programme et la transformation de ces espaces. Certains d'entre vous ont évoqué des espaces de détente, des espaces de sport, des espaces aussi de nature tout simplement. Et on voit que pas mal d'espaces, je pense à ce nouveau petit square qui va venir ici sur la rue Florence Artaud, juste en face de la PMI, et qui fait le lien avec une trame de liaison douce
à l'intérieur du quartier nord des navigateurs. Bon, c'est typiquement des projets qui peuvent amener à travailler avec les habitants, mais aussi les usagers, les écoles, etc., sur des aménagements adaptés à chaque lieu. Donc, ça l'a déjà été dit, on est sur la création d'environ 19 000 mètres carrés d'espaces verts, donc c'est quasiment 2 hectares. Pour rappel, le parc Mauze actuel, c'est 3 hectares 3. Donc voilà, une qualité de ces espaces paysagers qui va se renforcer dans les années à venir. C'est un travail aussi sur la continuité des parcours, hein. Parcours circulés, puisque un certain nombre de voies vont être aménagées et prolongées. Je pense par exemple à la rue Buffon, au raccordement sur la remise au Faisan, essayer de rendre un peu plus clair tout ce qui se passe dans ce secteur, aujourd'hui un petit peu compliqué, donc en réaménageant des rues ou en les prolongeant. Pour se raccorder aussi à tout le tissu de Choisy, Orly se transforme, mais Choisy aussi, puisqu'il y a déjà eu toute l'opération Briand-Peloutier, donc on s'inscrit dans la continuité aussi des cheminements et des circulations entre ces différents quartiers. Même chose sur les navigateurs Choisy, qui ont aussi un projet avec une continuité, notamment de trames paysagères au cœur du projet. Voilà, puisqu'on a aussi un pôle commercial qui est important sur le secteur de Choisy. Donc, c'est un travail à la fois sur les circulations, mais circulations très apaisées. On ne recrée pas de voie principale dans ce projet. L'avenue Marcel Cachin sera requalifiée, mais tout le reste, ce sont des rues, soit en voie 30, soit en voie 20. À sens unique, donc très apaisé. Pour le reste, c'est tout un travail sur les allées piétonnes et la continuité des cheminements piétons. Il y a quand même quelque chose qui a changé aussi un petit peu la donne dans le projet, c'est le tramway et la livraison du tramway. Et on sait que ça va susciter de nouveaux parcours de proximité et quotidien. Et donc, on a aussi, on le voit là par exemple sur les navigateurs, travaillé pour... sur des cheminements plus confortables pour rejoindre la station Christophe Colomb notamment, mais pas que, puisqu'on a aussi les stations qui sont sur les Saules et sur le cœur d'Orly. Voilà pour les cheminements. Alors, le renouvellement de l'habitat, on en a déjà pas mal parlé sur le projet de la pierre aux prêtres. Donc, même souci d'une diversification, c'est 671, alors c'est très précis, 671 logements neufs. On va dire que c'est 670 logements globalement qui sont programmés. Toujours un jeu d'alternance entre du collectif et plus ou moins haut, maximum 6 étages sur ce secteur. Mais aussi des maisons de ville, parce que là, on poursuit ce qui avait été engagé, je pense, au secteur des aviateurs, avec les maisons au cœur des aviateurs, qui sont ici. Et puis, de même, les premiers projets de transformation des navigateurs. Alors, parfois, et c'est ce qui est représenté en marron plus foncé, non, il ne s'agit pas de hauteur plus haute, ne l'interprétez pas comme ça, ça c'est important. Ce qui est représenté en marron plus foncé, c'est les endroits, donc c'est ici sur la façade de Christophe Colomb, c'est ici à l'angle du parc, et ça y est, j'ai un petit blanc, c'est Florence Artaud, c'est ça, voilà, la rue Florence Artaud. On voit ici, dans le cadre d'une nouvelle opération, voilà, on a des représentations en marron plus foncé. Ça représente les projets sur lesquels, de logements, à rez-de-chaussée desquels, voire de premier niveau desquels, il y aura des équipements ou des services. Donc, pas de hauteur plus importante. Alors, vous voyez qu'on diversifie aussi l'offre de logements. Sur des nouvelles parcelles. Je parlais tout à l'heure de la parcelle de l'IME qui est ici, ce qui nous permet d'offrir aussi plus de logements, parce que parfois, ça peut être une question entre le bilan des démolitions et le bilan de la reconstruction.
Alors, on en vient à cette longue liste au Père Noël quand même, hein, d'équipements, ça, c'est, qui a été déjà pas mal évoqué et que je peux essayer de localiser. Alors, il y a un point de départ sur la question du commerce. Parti pris qui a été choisi a été de conserver les polarités commerciales existantes et de faire que ces polarités, il n'y ait pas de concurrence qui leur soit créée et qu'elles soient plutôt consolidées voilà, sans nouvelle localisation d'un pôle commercial puisqu'on a déjà un peu toute l'offre qui est en place et c'est ce que les études commerce nous disaient aussi. En revanche, on vient aussi travailler sur la consolidation d'un certain nombre de polarités qui existaient mais qui ont disparu. Je pense au secteur des navigateurs, où là, on vient plutôt renforcer une offre d'équipement et de services qui est assez importante, puisqu'on va avoir dans ce secteur... Alors, il y a des jeux de numéros... je vais essayer de m'y retrouver parce que j'ai du mal parfois à connaître tous par cœur. Alors, si on prend ce secteur, donc on va avoir l'EDS, on va avoir aussi une nouvelle médiathèque, une halte-garderie qui vient aussi sur ce secteur avec une crèche et la mission locale qui va être localisée à rez-de-chaussée du bâtiment Vasco de Gama. Donc ça, c'est tout le projet sur la partie nord des navigateurs. Projet de réhabilitation et de transformation du groupe scolaire Paul-Éluard avec son gymnase qui est à l'étude. Sur le secteur des aviateurs, il y a un projet de reconstitution du groupe scolaire Cachin qui sera reconstruit avec son gymnase, voilà, sur une parcelle, sur sa parcelle. Et puis, on va avoir, ça aurait peut-être été le point de départ, puisque c'est le projet aujourd'hui, un des projets les plus engagés, alors qui est hors du périmètre de la ZAC, mais qui est un projet important, parce que c'est celui qui voilà, déverrouille un peu la possibilité de faire le reste, qui est ce pôle d'équipement majeur qui vient sur l'avenue Marcel Cachin, enfin, entre la rue Claude Bernard et l'avenue Marcel Cachin, où là, on retrouve ce qui avait été évoqué précédemment donc, par Madame la maire, donc le nouvel IME, le centre social, le restaurant senior et un groupe scolaire complet, donc maternel, élémentaire. Et donc là, on a un pôle qui vient sur une allée piétonne se greffer sur le secteur Calmette, mais aussi se greffer sur toute la transformation du secteur des Lopofa, dans la perspective aussi d'accueillir du coup toutes les activités liées à ces nouveaux logements. En lien avec toute la consolidation aussi de ce qui se passe sous les terrasses, hein, et le projet des terrasses, et puis l'extension et la réhabilitation du gymnase d'Esnos. Des études et des réflexions en cours sur les écoles Joliot-Curie. Et ce que vous voyez en vert, c'est la possibilité à certains endroits d'avoir aussi un travail sur des activités, des commerces en projet. Ce n'est pas calibré, mais on l'a déjà évoqué sur le secteur Calmette. Ça peut venir à rez-de-chaussée d'une opération. On a bien évoqué le temps des projets qui est assez long. Et donc, on sait que dans ce temps des projets, il faut rendre aussi le projet assez souple pour accueillir des initiatives, des demandes, une montée en puissance peut-être aussi voilà, de certaines activités. On n'avait pas forcément anticipé dans le premier projet de renouvellement urbain ce qui a émergé, par exemple, toute la demande autour de la santé. Si on reprend les études de 2004-2005, voilà, ces projets-là n'existaient pas. On avait même du mal à imaginer des activités dans les premiers rez-de-chaussée qui avaient été livrés. Et puis, on a vu qu'il y avait eu une montée en puissance de cette demande et le projet s'est adapté et a créé les conditions d'accueil de cette demande. Donc, c'est un peu dans cet esprit aussi qu'on travaille. Hein. C'est rendre le projet suffisamment souple pour que dans la durée, l'émergence de demandes, de besoins se traduisent aussi dans le projet.
On voit ici donc en synthèse le projet d'ensemble de la ZAC Aurore avec ses différents sites, le lien avec Calmette, mais je dirais aussi pas que, hein, puisque c'est tout un lien qui se fait dans la continuité avec les transformations engagées, existantes, antérieures, des aviateurs, du quartier Calmette, les projets sur Anoterra. Il y a deux secteurs qui sont en blanc, qui ont déjà fait l'objet de transformations, qui sont les aviateurs et les navigateurs. Et là, c'est des secteurs qui sont aujourd'hui à l'étude demain, mais pas encore avec un travail très fin sur ces secteurs-là, ce qui explique qu'ils soient en blanc aujourd'hui. Oui, j'ai la diapo, quelques éléments sur le calendrier. Donc trois grands temps aujourd'hui. Premier temps en termes de réalisation d'opérations, donc navigateur nord, à la limite de Choisy, 21-26, a effectivement commencé. Premiers travaux de la mission locale, démolition, comme cela a été dit, partielle du bâtiment La Pérouse. Ça va se poursuivre jusqu'en 2026. Donc on est sur une période assez longue. Deuxième temps, mais des temps qui se superposent. Et qui sont liés à une démolition qui va intervenir aussi dans un deuxième temps, puisque dès 2022, nous serons en capacité de démolir avec Val Office les bâtiments d'Iebraza. Les bâtiments Lopofa seront démolis un peu plus tardivement, en 2023 a priori, quand on aura abouti sur leur relogement l'ensemble des locataires. Et donc, entre 2023 et 2028, on sera en capacité, au fur et à mesure, en particulier la libération des sites, à la fois l'OPOFA et l'IME, de réaliser l'ensemble des projets qui viennent d'être évoqués par Véronique Navet. Et troisième temps, là aussi on se décale un peu plus, après 2026, aviateur dans sa partie ouest, autour du groupe scolaire Cachin, et comme cela a été dit, la pointe aviateur, mais qui fait actuellement l'objet de sérieux approfondissements en termes d'études, comme navigateur sud. Et donc, on est dans un dernier temps, ou un troisième temps, un peu plus éloigné. Concernant la concertation, donc on vous a parlé d'expositions qui sont localisées dans différents sites, hein, en particulier le centre administratif, mais aussi en plein air du côté du stade. Cette réunion publique aujourd'hui, un registre en centre administratif, donc au second semestre, c'est-à-dire dès le mois de septembre, avec l'ouverture de la maison de projet, il sera possible de rentrer un peu plus dans le détail. Un bilan sera tiré en fonction des remarques, réactions que vont susciter ces projets. Probablement une nouvelle réunion publique, très certainement en présentiel, enfin, il faut le souhaiter. Et puis une concertation qui, bien évidemment, va se poursuivre, comme c'est indiqué, au fil de l'eau, avec l'avancée des projets et de leur évolution possible. Alors, même diapositive que tout à l'heure, avec un petit changement que vous aurez remarqué. Même délai jusqu'au 4 juin pour pouvoir vous exprimer à travers le mail qui, cette fois, est concertation-zacoror@groupevaloffice.fr. Et vous pouvez toujours vous rendre au centre administratif pour apporter votre contribution dans le registre et découvrir un peu plus en détail le projet sur les différents sites que j'ai évoqués tout à l'heure. On a eu pas mal de questions qui sont arrivées au cours de la discussion. Je vous propose qu'on prenne les premières. Alors, on a des questions sur la programmation un peu globale, concernant notamment...
Alors, on peut revenir d'abord sur le... Bon, attendez, je vois personne qui lève la main. Excusez-moi. Monsieur Abidi, vous étiez intervenu tout à l'heure et là, vous avez une question sur les accès à la Seine à partir de la Seine ou de l'arrêt Christophe Colomb. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ? Alors, bonsoir. C'est juste une question qui m'est venue à la tête maintenant, en fait, parce que j'ai entendu parler qu'auparavant, sur Orly, il y avait un accès vers la Seine du côté de cette zone-là. Donc, je me suis posé la question si dans le cadre de ce projet, il y a, ou bien en dehors de ce cadre-là, il y a une idée ou bien une intention d'ouvrir une ruelle ou bien un chemin pour arriver à la Seine. Voilà, c'est tout. Merci, merci pour votre question. On prend quelques questions. Il y avait une autre demande de prise de parole, je crois. Attendez, j'essaie de retrouver. Monsieur Godbill. Bon, on a quelques petits temps de connexion, déconnexion. Votre micro va bientôt être réactivé. Il faut que vous l'activiez pour pouvoir parler. Bon, le temps que vous y arrivez, il y a d'autres questions qui ont été posées en termes de programme. Monsieur, alors oui, du coup, je ne sais plus si c'était monsieur, c'était peut-être madame qui utilisait la connexion de son fils, Matteo Mila. Pas de pôle culturel à part la médiathèque, musique, danse, comédie, parce que déjà... soit pas mal. Donc, question sur la programmation d'équipements culturels. Une question sur le commerce. Monsieur Vince qui demandait s'il était possible ou s'il était envisageable de réaliser sur la zone des aviateurs un marché couvert ou une maison des producteurs. Qui veut répondre à ces questions ? Madame la maire. Et je prends le micro. Bon, déjà, pour répondre à Monsieur Atem Hamidi sur l'accès à la Seine, effectivement, la ville d'Orly bénéficie d'un accès à la Seine qui est pour le moment un petit peu interrompu du fait des travaux du tram et les travaux du centre de remisage, puisque la base ville, là où il y avait toutes les Algeco qui permettaient donc de construire cet équipement, vont bientôt être libérées, ce qui nous permettra de réouvrir la voie qui, effectivement, passe en dessous ce qu'on appelle communément le trou de souris, le petit pont, longe la Sablière pour aller jusqu'à la Seine. Vous le verrez, lorsque vous pourrez accéder à cette plage magnifique, il y a eu des travaux qui ont été mis en place par le conseil départemental pour aménager complètement ce bord de Seine et le rendre en accès mobilité douce avec un cheminement vélo et piéton très, très agréable. Et la plage d'Orly va également, au travers les actions du conseil départemental, être aménagée pour consolider les rives de cette plage qui est encore très sauvage et qui, au fil des ans, est un peu ravinée par le flux des péniches. Donc, tout ça va être très prochainement consolidé. Ça, c'est pour l'accès à la Seine. Donc, on va se rapprocher très, très rapidement d'Île-de-France Mobilité et de Transamo, donc l'opérateur qui a construit ce centre de remisage, pour savoir à quel moment ils vont pouvoir libérer ces espaces pour réouvrir cet accès à la Seine. Concernant l'équipement culturel, la question a été posée. Effectivement, on vous a signalé donc sur le pavé 3, un espace multiculturel qui aurait donc une médiathèque, mais également la possibilité d'avoir des actions culturelles. Aujourd'hui, le calibrage n'est pas complètement arrêté,
mais il est question de pouvoir y avoir un conservatoire décentralisé, etc. Donc, tout est à construire et j'espère qu'on pourra le faire en réunion publique digne de ce nom. Sur le marché couvert et la maison des producteurs, je n'ai pas très bien compris où vous vouliez que ça soit. Sur un marché couvert, non, je ne pense pas. On a supprimé notre marché couvert des terrasses pour des raisons de sanitaires et de sécurité avec les commerçants pour le mettre en extérieur et conserver donc une qualité pour à la fois les commerçants mais également pour les clients. Donc maintenant, une maison pour des producteurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais faut voir qu'est-ce que ça suppose comme espace et comment que ça s'organise. Moi, je veux bien vous rencontrer, monsieur, et qu'on puisse en discuter. Donc, vous laisserez vos coordonnées aux organisateurs et je prendrai contact avec vous. On a ensuite une question. Alors, à nouveau sur les. Alors là, c'est plus sur la démolition, la démolition des bâtiments. Monsieur, Madame Ferli, est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour poser votre question? C'est bon, bonsoir. Normalement. Voilà, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, j'avais une question concernant justement les bâtiments actuels. Savoir si dans le programme, enfin je suppose que oui, mais savoir quand ils allaient être démolis et comment se passerait justement le relogement des locataires actuels. Oui, bonsoir madame. Eh bien, écoutez, c'est plus simple comme ça. Le relogement de nos locataires se passe relativement bien, même si là, on aimerait que ça puisse aller un peu plus vite, mais on le fait au rythme de la libération des logements et au rythme des livraisons de logements qui sont faites sur la ville et autour de la ville. Donc aujourd'hui, on avait le nombre tout à l'heure exact de relogements déjà réalisés. Les deux tiers des relogements sont déjà réalisés. Il nous reste encore un tiers, que ce soit sur l'OPOFA ou sur Braza. Et donc, on est en train de suivre un calendrier qui a été un peu retardé, il faut le dire, par rapport à un taux de rotation qu'on espérait un peu plus rapide. Mais la crise du Covid ne nous a pas aidés, vous avez raison, Mme la maire, pendant un an là. Mais le relogement, on peut le dire, se passe bien. Et il n'y a donc pas de raison que le relogement ne continue pas à être actif. Les conditions de relogement, la charte de relogement qui a été mise en place, l'aide aux locataires et l'agence y veillent particulièrement, et Pascal Pongy qui est là ce soir y veille particulièrement. Donc, pour répondre à votre question, c'est un projet, en tout cas, c'est un projet qui se passe très bien. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que, et c'est important de le savoir, c'est que tous les logements démolis en locatif social seront reconstruits. Un tiers dans le quartier, un tiers sur la ville et un tiers hors Orly. Je reprends la parole, ce n'est pas très élégant. Mais, monsieur Savonnet vient de me souffler pour le monsieur qui a posé la question pour l'accès à la Seine. La voie du Bouvray est ouverte. Le centre de remisage a laissé la possibilité donc, aux Orlésiens d'aller jusqu'à la plage d'Orly-Seine. Je disais du coup, monsieur Abidi, en disant on sera Orly-sur-Seine avec un smiley. Alors, on a un souci technique avec Monsieur Godby qui n'arrive pas à réactiver son micro. Il a posé une question que je vais vous lire, qui est pas spécialement longue, mais qui est un peu plus longue que s'il l'avait posée à l'oral. La résidence Anotera me semble le seul ensemble foncier imbriqué dans la ZAC-OROR. Est-il prévu une information spécifique à destination des copropriétaires de la résidence, sachant que le projet semble engager des échanges fonciers importants, et si oui, dans quel délai?
Alors, on a des contacts très réguliers avec monsieur qui est le responsable syndical des copropriétaires de la résidence à Notera. Donc, on travaille avec lui depuis longtemps et je l'espère dans de bonnes conditions puisque nous sommes en train de finaliser avec le préfet un plan de sauvegarde pour cette résidence qui rencontre quelques difficultés. Donc, un gros plan a été déjà mis en place, et notamment la réfection et le changement des ascenseurs et en lien avec la ville d'Orly. Et le reste du programme tourne autour de 17 ou 18 millions, je crois, avec une participation de l'ANA très importante. Donc, on travaille très bien déjà avec la résidence à Notera. Pour le projet qui nous intéresse, et notamment son emprise sur la ZAC Aurore, bien évidemment, un contact va être pris très rapidement après le lancement de cette concertation, puisque nous sommes dans un lancement de concertation. La concertation va se poursuivre et une rencontre avec le conseil syndical va avoir lieu dans les prochaines semaines. Voilà, la résidence à Notera, voilà, qui est sur la ville d'Orly et qui regroupe 400 logements, je pense, hein, 400 logements, voilà, en accession, avec des difficultés d'ordre économique, mais également technique, avec un bâtiment qui pour lequel il y a un besoin de réhabilitation très important. Donc, oui, monsieur, nous allons vous recontacter. Monsieur Savonnet et madame Amandine Rio vont vous prendre contact très rapidement avec vous pour, dans un premier temps, vous rencontrer et ensuite avoir une réunion avec les copropriétaires pour vous donner lecture un petit peu de ce qui a été prévu. Mais bien évidemment, je le dis ici haut et fort, rien ne se fera sans vous et rien ne se fera contre vous. Donc, c'est uniquement avec votre accord que les choses s'organiseront pour cette ZAC Aurore. Donc, on prend contact très rapidement avec vous. Monsieur Godby, du coup, profite de la discussion sur le sujet. C'est une autre question sur une étude d'une solution. Bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure pour la collecte des déchets. Madame la maire, vous aviez répondu qu'il y avait une évolution qui était liée à la création de l'EPT et au fait que l'ensemble de la politique de déchets et de collecte est donc gérée à cette échelle-là. Monsieur Godby demande s'il est question d'une étude sur une solution pour la collecte particulière. Et reparle des tribornes. On en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est la peine. Vous aurez le compte-rendu, M. Godby, donc vous pourrez prendre connaissance des réponses qui ont été faites. Je m'aperçois aussi peut-être qu'on avait une slide qui permettait de... Vous en avez parlé un petit peu, M. Boily, donc je ne sais pas s'il faut revenir dessus sur les engagements en matière de relogement. Je dis ça parce que on n'a plus d'autres questions pour l'instant, plus d'autres prises de parole. Et on a peut-être été déconnecté quelques instants. Ah. Attends, ça pose un peu problème. Attendez, on a été coupé. On n'a plus le wifi, pourquoi ? C'était 21h. Non, c'est notre accès wifi à tous les deux. On est en accès visiteur et je crois que ça a été coupé à 20h. Mais t'as vu ce message-là ? Bah, tout à l'heure, il disait juste à 20h et du coup... Alors, est-ce que vous nous entendez ? Donc, vous pouvez continuer, on peut continuer, du coup, la réunion. Moi, je ne contrôle plus grand-chose, par contre. Parce qu'on n'a plus accès non plus aux questions que les gens nous posent. Donc, c'est un petit peu problématique. Au relogement. Oui,
parce qu'il y a souvent des questions qui sont posées par rapport au relogement. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas eu encore l'information, peut-être Farid repréciser le déroulé. Alors, pour les opérations de ce type-là, et on a une longue expérience avec la ville d'Orly, hein, puisqu'on a déjà fait l'ANRU ensemble, de reloger dans les meilleures conditions possibles nos locataires, qui souvent d'ailleurs restent nos locataires à la suite du relogement. Il y a d'abord une première enquête sociale qui est réalisée sur l'ensemble des logements à démolir, pour essayer de préciser quelles sont les attentes et les besoins des locataires, qui sont souvent différents de la situation dans laquelle ils étaient dans leur logement au départ. L'idée, c'est de pouvoir essayer de prendre en compte la situation familiale, la composition familiale et les desiderata des locataires sur les quartiers, sur les souhaits qu'ils peuvent avoir, y compris dans des problématiques de rapprochement avec le travail, par exemple, ou un rapprochement familial. Donc, il y a une étude très précise qui est faite avec chacune des familles, avec un engagement, c'est d'essayer un engagement qui est très fort, c'est de respecter les conditions financières, après avoir respecté les conditions familiales, de respecter les conditions financières, c'est-à-dire reloger les locataires avec un effort lié à leur loyer qui soit identique autant avant que après, prendre en compte le déménagement au mètre, alors, prise en charge qui doit être au mètre carré hors charge plus APL, identique en termes d'effort. Comme tu le sais, il y a des grands débats sur les modalités de calcul de l'ANRU pour pouvoir reloger les locataires. Il nous arrive aussi de faire des minorations de loyers importantes sur certains secteurs, entre autres sur des logements neufs, pour que les locataires puissent y rentrer, et on le fait bien, bien volontiers. On prend en compte, bien entendu, aussi les abonnements, qui sont pour les locataires, et on a tout un accompagnement, on a des conseillères sociales et autres qui et des chargés de relogement qui viennent accompagner pendant toute la démarche nos locataires. On a relogé beaucoup de locataires sur la ville d'Orly depuis 2005. Il nous en reste encore 125 familles ou 127 familles, ça change tous les jours, donc j'ai du mal à suivre, mais 127 familles à reloger. Et y compris le fait de prendre aussi en compte les décohabitations, parce qu'il peut aussi y avoir des familles avec des jeunes adultes, et ça aussi c'est pris en compte. Donc vraiment un vrai accompagnement de l'ensemble des locataires, et cette opération se fait bien entendu en partenariat total entre la ville, Val Office et quelquefois d'autres bailleurs qui peuvent venir aussi nous aider. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors je suis vraiment désolé parce que on conserve une difficulté qui est liée à l'affichage de la présentation, qui pour l'instant ne marche pas. On a retrouvé en faisant un partage de connexion la maîtrise des outils, mais et donc si des gens veulent poser des questions, ils peuvent à nouveau le faire. On voit vos questions. Est-ce qu'il y a encore des demandes de prise de parole? Oui. Monsieur. Voilà, c'est ça. Monsieur Hector qui avait posé une question tout à l'heure. Est-ce que vous êtes revenu? Il était parti un petit moment. Il est revenu, monsieur Hector. Est-ce que vous souhaitez préciser votre question? C'est peut-être madame. Mais je... Ah, il disparaît à nouveau. On vous écoute. Alors, la question. Était formulé de cette façon, suite à ces projets, y aura-t-il un renouvellement de population pour permettre davantage de mixité sociale? Ça fait partie d'un des objectifs des projets de renouvellement urbain, d'avoir effectivement des projets qui permettent le parcours résidentiel, d'avoir des personnes qui passent du logement social à du locatif libre et pourquoi pas de l'accession. Bien évidemment, ce travail d'équilibrage des quartiers sur une ville est aussi important. Et vous avez une slide qui a été prévue à cet effet, qui donne les pourcentages
de logement social avant. Alors, dans les bulles claires, si on prend par exemple la Pierre aux Prêtres, on était à la fin de l'ANRU 1. Avant le début de l'ANRU 1, on était à 100% de logement social. À la fin de l'ANRU 1, on était à 90% et nous atteindrons 75% de logements sociaux à la fin du NPNRU. Sur les autres quartiers que vous avez par exemple les navigateurs. Nous étions avant l'ANRU 1 à 100%, à la fin de l'ANRU 1, 80%, et nous serons à 57% à la fin du NPNRU. Et sur le plan global, donc je ne distingue pas toutes les autres pourcentages, mais à la fin donc, de l'ensemble de ces deux ZAC, Pierre aux Prêtres et Aurore, nous passerons de 80%, donc on peut dire 100% avant l'ANRU 1, 80% après l'ANRU 1 et 62% après l'ANRU, le NPNRU. Sachant que, comme l'a dit M. Boilly tout à l'heure, un logement détruit social est un logement reconstruit ailleurs. Nous avons obtenu de l'ANRU d'avoir la possibilité de reconstruire 30% sur site, 30% en diffus sur la ville d'Orly et dans les nouveaux projets. On parle des projets tels que le projet du Seigna ou des carrières, où il y aura du logement social également. Et 30% à l'extérieur de la ville d'Orly, d'accord, avec les villes aux alentours et en accord avec des promoteurs qui auront la possibilité de permettre à Val-Office de construire donc, le rééquilibrage des logements détruits. Voilà, Monsieur Hector, j'espère avoir été clair. Je ne sais pas si Monsieur Hector est à nouveau là. On a à nouveau une question sur le relogement, plus spécifiquement sur le relogement dans les villes voisines. Comment cela se passe-t-il en termes de modalités? Quelles sont les particularités du coup pour les personnes qui seraient relogées ou qui souhaiteraient éventuellement être relogées dans une autre commune? On l'a dit. Hein, alors, d'abord, l'avantage qu'il y a là, c'est que Val-Office possède un parc très important sur ce secteur-là, que ce soit sur Orly ou Choisy. Rien que sur ces deux villes-là, on n'est pas loin de 9000 logements. Donc, on regarde effectivement la demande que nos locataires peuvent nous faire. Et si on a une possibilité sur la ville qu'ils désirent, bien entendu, on les reloge sur la ville. Parce que je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui veulent faire un rapprochement lié au travail, ça arrive très souvent, ou un rapprochement familial, et donc on l'opère sans difficulté. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que d'abord, les locataires sont d'abord très attachés à leur ville. Quel que soit le quartier, les locataires souhaitent à plus de 90% rester dans leur commune. Les 10 autres pourcents restants, sur l'expérience qu'on a maintenant depuis 20 ans, eh bien on essaye de les reloger ou sur du parc nous appartenant ou éventuellement en interbailleur avec éventuellement d'autres bailleurs. 97% veulent rester à Orly. Oui, donc vous Mais quand je disais 90% de moyenne, c'est parce qu'il n'y avait pas qu'Orly, il y avait des villes où les gens n'avaient pas forcément envie de rester. On a un taux de 40% dans une autre ville sur laquelle on est en NPNRU aussi, et c'est plus compliqué. L'attractivité de la ville, des liens sociaux, des équipements, il fait beaucoup. Alors, je les avais loupés dans le fil de discussion. On a une intervention de M. Chaudron qui dit « Merci Mme Jeannodet, merci M. Boilly aux intervenants. De beaux projets… » Alors, ce n'est pas la conclusion de la réunion, attendez. « De beaux projets en perspective pour la ville et surtout pour les habitants et les nouvelles familles qui vont être attirées par un habitat de qualité, des zones vertes, voilà. Bon. Encore plus étendue et une circulation facilitée et arborée. » Donc, un message très, très positif. Et pour, je ne sais pas si c'est pour contrebalancer, Madame Alves qui s'interroge sur des groupes de travail qui étaient prévus sur la réhabilitation des bâtiments Mermoz, Garros et Maris-Bastier. Alors elle précise qu'elle sait bien que la pandémie est passée par là, et donc elle réitère le fait qu'elle attend, que nous attendons toujours ces réunions de début de travaux. Ne pouvons-nous pas les faire en distanciel malgré tout?
Alors là, je reprends la parole, si vous le permettez. C'est vraiment une demande très forte de la ville d'Orly en direction de Val-Office. On sait bien que les mesures sanitaires sont un peu compliquées. Moi, je propose que, au-delà de le faire en distanciel, déjà, il va y avoir un courrier d'information qui va expliquer quand, comment, où ça va se passer dans chaque cage d'escalier. Parce qu'effectivement, on a eu un peu un déboire au niveau de Vasco de Gama où certains des travaux n'ont pas été suffisamment expliqués aux résidents et l'effet boomerang est toujours très désagréable. Donc là, on va faire autrement. Et donc, j'espère qu'au mois de juin, on va pouvoir commencer à faire des petites réunions. Et des réunions de cages d'escalier me paraissent un bon gabarit. On aura, nous, des salles à mise à disposition. Alors, ça fait peut-être beaucoup de réunions, mais c'est beaucoup de temps d'agné pour derrière. Donc, c'est en tous les cas une demande que l'on fait. Et je sais qu'on a reçu un accord positif de Madame Pongy. Donc, ça va se faire dès qu'on pourra être un peu plus que 6 dans une salle pour une réunion publique. Alors, je surveille toujours l'écran pour voir s'il y a d'autres questions. Petite question sur l'accès à la Seine qui semble compliqué à Monsieur Wanet et qui demande s'il pourra y avoir un fléchage. Et Monsieur Godby, dont le micro, je ne sais pas s'il remarche, s'il veut se reconnecter, nous indique que... Ah bah voilà. Un fléchage oui. Ou un plan d'accès accessible sur le site de la mairie. Ah non, c'est Monsieur Wanet, allez-y. Oui, tout à fait. Alors, j'habite à côté, dans les Saules. Mais une fois, j'ai essayé d'aller sur la Seine, mais c'est très compliqué. J'ai pas réussi. Et donc, je voudrais savoir s'il y a possibilité de guider un peu les piétons qui veulent s'y rendre. Alors oui, effectivement, il y a un fléchage qui sera certainement nécessaire. Mais lorsque vous passez en dessous le petit pont, c'est toujours tout droit, monsieur. Toujours, toujours tout droit. Vous allez passer à travers la végétation de chaque côté. Arrivé un moment, il va avoir des murs pas très jolis, mais qui appartiennent à la mairie de Paris. Et c'est l'usine des eaux. Vous continuez encore, je pense que c'est 2 km environ. Hein, 1,5 km peut-être. Entre le trou de souris, le pont... Et la Seine, c'est environ 1,5 km. Donc, obligé de le faire à pied ou en vélo. Voilà. On ouvre cet accès 2-3 fois dans l'année pour y organiser des pique-niques, mais avec l'accès en voiture. Mais sinon, c'est uniquement à pied, donc un bon kilomètre à pied. Il est 20h15. Il nous reste un petit quart d'heure de réunion si... des personnes souhaitent, Monsieur Wanet vous remercie par message pour votre réponse. Est-ce que parmi les participants, les participants à la réunion, des personnes souhaitent poser des questions? Sinon, on peut s'acheminer tranquillement vers la fin de notre réunion en vous rappelant, de toute façon, je le fais tout de suite, les deux adresses qui vous permettent de vous exprimer. Et qui sont normalement, si tout va bien, affichés sur votre écran. concertation-6@groupevaloffice.fr ou pour Pierre Auprêtre, concertation-6 toujours, zacpap@groupevaloffice.fr. Et le registre en mairie. Je regarde si... Je vois des mains qui se lèvent. Monsieur Hector, j'arrive à activer. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui, bonjour. J'avais une question donc par rapport au renouvellement urbain du quartier du navigateur. En fait, je voulais savoir si... au niveau de la ville de Choisy-le-Roi, donc du quartier des navigateurs côté Choisy-le-Roi, il est prévu de faire un plan de renouvellement urbain. Et si oui, est-ce qu'il sera en harmonie avec celui d'Orly? Euh,
Effectivement, il y a la ville de Choisy-le-Roi a également une convention avec l'ANRU pour un NPNRU sur ce quartier-là. Il sera en harmonie, oui, au niveau des liens de circulation, comme l'a expliqué tout à l'heure notre architecte urbaniste pour les voies de circulation douce, mais également le cheminement des zones arborées et végétales. Sur un point de vue du bâti, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes façons de configurer le bâti et la réhabilitation. Choisy a pris un parti différent d'une autre qui est de moins démolir de bâtiments et davantage les réhabiliter. Ce n'est pas le choix de la ville d'Orly et du bailleur qui considère que pour redonner un souffle nouveau à un quartier, il faut vraiment y mettre le paquet, excusez-moi l'expression, mais sinon c'est de la poudre qui s'estompe très vite. Et on en a l'expérience au travers certaines réhabilitations du NPNRU qui, à mon sens, et après expérience, n'ont pas été suffisamment dans l'intensité. C'est ce qu'on veut éviter sur le NPNRU. Alors, ça peut faire un beau mot de conclusion. Je vais tenter une dernière fois d'essayer de donner la parole à M. Godbille, qui avait levé la main. C'est la tentative de la dernière chance pour lui permettre de parler. Et parce que vous avez une question peut-être un peu similaire, du coup. Puis-je poser une question sur la partie choisie de la ZAC Aurore ? Alors, vous pouvez la poser. Non, c'est M. Godby qui demande s'il peut poser une question sur la partie choisie de la ZAC Aurore. Oui, parce que ça va évoluer du côté de Anotera, de l'autre côté, effectivement, M. Godby peut répondre. Alors, M. Godby, si votre micro ne fonctionne pas, on vous propose. Alors, voilà, quid du café ? Ah, c'est une question très précise. Rue remise au faisan. Mais si c'est sur Choisy, je ne sais pas si vous avez la réponse. Ah. Alors, sur le quartier de la remise au faisan, qui effectivement est de l'autre côté par rapport à la copropriété Anotera. Pardon, ah oui. Donc, effectivement, il y a un projet en cours de suite à la démolition du foyer, là, la démolition qui est pratiquement achevée. Voilà. Mais en revanche, le programme, en fait, est un programme uniquement résidentiel. Hein, donc, il n'y a pas du tout de commerce qui soit prévu, en particulier sur le côté remise au faisan. Il y aura juste une relocalisation, en fait, de toute la partie activité qui est remise au faisan, qui fera partie d'un lot qui sera un petit peu plus au nord à l'intérieur de la ZAC des Hautes-Bornes. Le café est fermé, voilà, et nous, on ne relocalise pas de café. Quoi. Il n'y a pas du tout de commerce à rez-de-chaussée dans le programme qu'on va faire. Monsieur Godby précise sa question en disant que le café pose des problèmes, et en fait, il parle de la destruction de ce café. Alors, maintenant qu'il est fermé, il ne doit pas poser de problème, effectivement. C'est un peu compliqué parce que du coup... Alors, on a une dernière question, M. Vince, qui parle de la fermeture du parc des Saules, avec des horaires d'ouverture, par exemple. Alors, je vous lirai la question telle qu'elle. Vous envisageriez, au conditionnel, de fermer le parc des Saules avec des horaires d'ouverture, par exemple 9h-20h, parce que tous les étés, les riverains subissent des nuisances sonores par des fêtes qui durent parfois jusqu'à 4h du matin, et pas toujours par des gens d'Orly, point d'interrogation. Question de gestion urbaine. Oui, le parc des Saules, de par sa configuration, est très difficile à fermer puisqu'il est sur plusieurs niveaux avec plusieurs entrées, etc.
Là où se regroupaient essentiellement les personnes pour faire du barbecue, c'était derrière le centre équestre. On a demandé des passages de la police lorsqu'il y a ces rassemblements, puisqu'on a une gardienne qui est juste en face et qui peut prévenir. La subtilité a été de couper l'électricité et l'eau à cet endroit-là pour éviter que les barbecues soient trop longs et trop nuisants. La fermeture du parc, on y réfléchit, mais techniquement, elle est très compliquée. Techniquement, elle est très compliquée et c'est vrai que on a, à part cet endroit qu'on arrive, qui est plutôt une petite prairie, qu'on arrive à bien cerner, les autres endroits sont plus escarpés et difficiles à contrôler, je l'accorde. Je ne vois plus de messages, plus de prise de parole a priori. Donc, je vous propose qu'on conclue notre réunion. Alors, évidemment, on a pris en note toutes les questions qui ont été. Attendez, du coup, ça, il suffit de dire ça pour qu'il y ait une question qui arrive, évidemment. À nouveau sur le relogement, concernant le relogement dans une autre ville dont le suivi n'est plus du ressort des chargés de relogement, avec qui prendre contact pour le suivi ? Il nous avait été demandé de refaire une demande comme s'il s'agissait d'une première demande. Alors, on ne sait pas qui vous a demandé de refaire une demande. Normalement, quand on a une demande, elle est en plus valable sur plusieurs communes. Enfin, elle est valable partout. Question concernant le relogement dans une autre ville dont le suivi ne serait plus du ressort des chargés de relogement. Elles le sont manifestement toujours. Peut-être, monsieur, ce que je vous propose, c'est d'adresser un mail plus précis et illustrant votre situation à l'adresse qui vous a été donnée, puis on vous fera une réponse circonstanciée, personnalisée, qui est liée à votre problématique particulière. Ou à l'agence d'Orly. Alors, donc je vous disais, on a pris en note toutes les questions, les réponses. On fera un compte rendu de cette réunion. Je vous ai indiqué tout à l'heure les différents moyens pour continuer de contribuer jusqu'au 4 juin. Je veux bien le redire encore une fois, concertation-zac-auror ou concertation-zac-pape, le tout groupe Val-Office, et puis le centre administratif municipal d'Orly pour pouvoir à la fois consulter l'exposition et indiquer ce que vous souhaitez dans le registre. Alors, il manque évidemment dans ces fins de réunion tout le charme aussi de l'informel qui permet de continuer un petit peu à discuter dans les couloirs. Malheureusement, là, on ne pourra pas le faire avec vous. Mais comme disait tout à l'heure Madame la maire, on espère bien pouvoir vous retrouver lors de la prochaine réunion publique en présentiel, comme on dit maintenant, et répondre à vos questions et puis vous présenter l'état d'avancement de la réflexion sur le projet. Merci beaucoup et je conclue du coup par cette phrase d'un participant qui dit que c'était super passionnant et qu'elle espère elle aussi que les prochaines rencontres se feront en public. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à toutes et sans doute bon appétit.